et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Hello, je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans ce podcast pour parler de comment concrètement il faut faire pour réussir à se guérir des compulsions alimentaires pour éventuellement aller ensuite vers une perte de poids. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut vraiment séparer les deux, c'est-à-dire la guérison des compulsions alimentaires, le rapport à la nourriture, le rapport à notre corps et le fait de mincir. En fait, dans un premier temps, c'est indispensable de guérir son rapport à la nourriture et à son corps. Pour quelle raison? C'est parce que déjà de un, pour arrêter qu'il y ait des compulsions et puis d'être démesurément attiré tout le temps par la malbouffe, hein, parce qu'il faut savoir que quand on est guéri justement dans le rapport à la nourriture, ça va être beaucoup plus simple de faire les bons choix qui sont bons pour nous et surtout d'être attiré par ce qui nous fait du bien et plus par des aliments très gras, très sucrés en permanence. Et le fait de guérir le rapport au corps, là où c'est très important, c'est de plus vivre ces vagues d'angoisse par rapport à notre poids. Hein, je ne sais pas si vous connaissez ça, vous regardez dans le miroir ou tout d'un coup vous mangez un bout de chocolat et là, oh, l'angoisse, mon Dieu, je vais grossir, je suis déjà en surpoids. Enfin, ce mal-être dans le corps, en fait, le problème de ce malaise dans le corps, c'est que déjà ça envoie des hormones, ça envoie une information au corps qui va déjà nous faire gonfler davantage, nous faire manger encore plus et surtout nous pousser encore à vouloir suivre un régime. Et tant qu'on est poussé à vouloir suivre un régime, c'est-à-dire à contrôler notre alimentation, qu'est-ce qui va se passer? On envoie un message au cerveau qui va paradoxalement nous pousser justement à nous suralimenter, à faire exactement ce qu'on veut pas. Donc c'est pour ça que c'est important d'être en phase, d'être ok avec son corps. Ça veut pas dire qu'on va se trouver canon, c'est juste d'être ok, de plus avoir ces angoisses pour ne plus être poussé à vouloir absolument contrôler, hein, avec frénésie, avec angoisse, notre poids en contrôlant notre alimentation. Et du coup, en fait, c'est exactement ça qui nous replonge dans le cercle vicieux des compulsions alimentaires, des régimes à répétition, du fait qu'on prend du poids en permanence. Et en apaisant cette relation au corps, on va apaiser justement déjà tout ce qui se passe à l'intérieur, toutes les hormones, toutes nos pensées et ce qui va faire qu'on peut normaliser notre rapport à la nourriture. Une fois ce rapport normalisé, on va pouvoir manger à notre faim. Ensuite, pour moi, selon ma façon de fonctionner, je trouve que c'est important d'apprendre aussi à écouter les besoins du corps pour beaucoup mieux se diriger par rapport à l'alimentation. Et en fait, c'est plus ça qui va permettre après de réussir à mincir, parce que c'est pas parce qu'on est guéri des compulsions alimentaires que forcément on mincit. Il y a quand même une hygiène de vie à prendre en compte, il y a quand même certaines habitudes à prendre en compte, qu'on soit bien d'accord, je suis pas en train de dire qu'il y a besoin de faire un régime ou qu'il y a besoin d'aller au fitness ou de faire un sport qu'on n'aime pas. Hein, comme je vous le dis très très souvent, moi je fais pas du tout de régime, je mange ce qui me fait plaisir, je vais pas au fitness parce que rien que l'odeur du fitness, ça me fout des boules au ventre tellement j'en peux plus, tellement je me suis forcée à l'époque. En revanche, j'ai installé une hygiène de vie, des habitudes qui me soutiennent pleinement et qui font que ça amène un résultat. Ce qu'il faut comprendre, sans se blâmer, sans en faire une angoisse, c'est que notre corps, notre poids, ce qui se passe même dans notre vie, hein, pas forcément par rapport au poids, c'est un résultat de choses qu'on a mises en place. Alors bien entendu, ces choses-là qui sont mises en place, elles ne nous conviennent pas parce que le résultat qu'on a, c'est pas ce qu'on aimerait. En revanche, ce qui est bien, ce qui est cool, c'est de se dire « Ok, ça veut dire que si je change mes agissements, que je change ma façon de faire, mes habitudes, en fait, je vais aller vers un nouveau résultat. » Et ce résultat, il va être instauré grâce à des prises de conscience sur ce qu'on fait, sur ce qui convient à notre corps ou pas, et sur certaines connaissances de base qu'on peut mettre en place tout simplement. Après, il y a aussi une chose très importante, en plus on en a parlé justement lors du stage que j'ai donné hier en présentiel, là c'était vraiment génial, c'était juste de se rendre compte en fait que certaines personnes, elles ont intégré le fait de certains aliments, peut-être qu'elles ont trop mangé pendant des régimes, elles l'ont intégré comme un truc qui est pas folichon ou qui fait pas rêver et que c'est pas vraiment un plaisir de manger ça. Et en fait, là où c'est important, c'est de commencer à changer ce rapport de nouveau envers certains aliments pour arrêter de les voir comme quelque chose qui est dans un régime. Parce que finalement, ce qui pose problème, c'est plus l'image qu'on en a, la case dans laquelle on a placé tel ou tel aliment qui va poser problème. Parce que si vous êtes toujours dans le, blanc de poulet, légumes, riz, c'est régime, c'est pas intéressant, et chocolat, c'est la fête, c'est trop stylé, ça va être compliqué
tant que vous associez autant de plaisir au chocolat et aussi peu de plaisir à tout le reste que vous pourriez manger qui serait bon pour vous, hein, ou par exemple une pomme, vous trouvez que c'est ennuyeux, que voilà, ça vous fait pas rêver, tant qu'en fait il y a cette association dans votre cerveau, c'est sûr que c'est compliqué d'avoir naturellement envie de manger la pomme plutôt que le chocolat. Mais ça, ça se travaille, ça s'apprend vraiment. Il faut juste reprogrammer, juste voir en fait quel lien dans notre inconscient on a envers chacun des aliments. Si quand je vous dis un blanc de poulet avec des légumes et du riz, ça vous fait une boule au ventre parce que vous avez l'impression qu'on vous remet au régime, eh bien ça, ça va demander d'aller lâcher dans l'inconscient pour que vous perceviez plus ça comme un régime et que vous puissiez voir une pomme, un fruit, un légume comme quelque chose de « waouh, trop bon !» ou que vos plats de tous les jours, qui peut-être pouvaient paraître un régime avant, vous dire « non mais en fait, c'est un kiff géant, c'est trop bon, j'adore manger ça, pour rien au monde, je louperais, moi par exemple, j'adore les pommes de terre, mais pour rien au monde, je louperais mes patates que je mange le soir, que je coupe comme des frites, je trouve ça incroyable et j'ai envie de rien d'autre, vraiment, on me propose autre chose, j'en veux pas autre chose. » Moi, c'est ça mon truc que j'adore. Et pour autant, sur certaines manières de présenter mes plats, on pourrait se dire « ouais, mais ça, c'est un plat de régime ». Mais pas du tout. Pour moi, c'est vraiment un plaisir immense. Et justement, durant le stage que j'ai donné hier, on a été explorer ce rapport justement à certains aliments. Et puis de voir à quel point on peut rendre tout aussi sexy une pomme qu'un bout de chocolat finalement. Ça dépend juste vraiment de l'interprétation qu'on en a et surtout d'avoir conscience du rapport qu'on peut avoir avec certains aliments. Hein, parce que finalement, cette conscience et ce rapport avec l'alimentation et certains aliments, c'est ça qui va poser foncièrement problème et qui fait qu'on n'arrive pas à s'empêcher justement de trop manger. Donc voilà, comme je disais, ce qu'il est important pour commencer, c'est de guérir ce rapport à la nourriture et au corps. C'est vraiment une première étape qui est très importante. Cette première étape, des fois, ce qui est embêtant et ce qui fait qu'on lâche, c'est qu'elle ne nous permet pas peut-être de perdre du poids. En plus, c'est une étape, comme je dis très souvent aux personnes que j'accompagne, on n'a pas un jour des compulsions alimentaires où on mange trop et le lendemain, on est guéri. Non, ça va se manifester avec des petits pas, hein, qui paraissent des micro-victoires au début. Ça paraît minuscule et pour autant, c'est pas minuscule, ça montre qu'il y a effectivement un changement qui est en train de se faire. Je vais vous donner des exemples. Tout bêtement, vous êtes en train de manger un paquet de biscuits, vous arrivez à vous arrêter, boum, il y a une victoire. Vous êtes au resto, vous avez réussi à prendre un plat qui vous fait vraiment envie, où il y a des légumes dedans, sans avoir peur de manquer quelque chose. Pour ma part, par exemple, j'allais toujours prendre le plat un peu le plus gras, hein, avec plein de crème, plein de trucs, parce que bon, je suis au resto, il faut quand même que je profite. Et le fait de réussir déjà à se dire non, je vais prendre ce que vraiment j'ai envie, sans avoir peur de perdre justement ce plat où j'ai l'impression que voilà, je vais manquer quelque chose, ou de pas oser goûter quelque chose de nouveau, en me disant ouais, mais si c'est pas hyper bon, si incroyable que d'habitude, voilà, cette peur de perdre comme ça. Ça paraît des mini-victoires et pour autant, c'est exactement ce qui vient montrer qu'on est sur le chemin de la guérison. Ou que tout d'un coup, des personnes qui me disent « ouais, d'habitude, je mange énormément, j'arrive plus à m'arrêter » et là, en fait, je m'arrête au milieu de mon plat ou je me resserre pas. Bref, c'est des petites choses comme ça où ça paraît très anodin, mais en fait, non, c'est là le chemin. Et c'est ça qui est pas facile, c'est qu'on croit des fois, comme moi, j'ai pu croire pour tellement de choses, que du jour au lendemain, voilà, un jour j'ai des compulsions, le lendemain j'en ai plus. Un jour j'ai du surpoids, le lendemain j'en ai plus. Bien sûr que non, c'est un chemin, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Et un jour on arrive à un résultat, mais pour arriver à ce résultat, il y a tout un chemin avant. Et d'ailleurs, comme l'a très bien dit une des personnes du groupe là que j'accompagne, elle disait, en fait, c'est vraiment d'apprécier le chemin et pas le résultat. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans les philosophies zen, de dire oui, il faut apprécier le chemin et pas le résultat. Mais en vrai, c'est ça, parce que le chemin, c'est ce qui va vraiment vous demander cette implication. Pour arriver à un résultat, il y a un chemin à parcourir. Si vous voulez arriver au résultat sans parcourir le chemin, alors moi, en tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai jamais réussi à atteindre un résultat sans passer par le chemin. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on essaye de faire quand on veut faire des régimes, finalement, c'est trouver la solution de facilité. Bon, bah, je restreins mon alimentation, j'essaie de contrôler mon alimentation. Ça, c'est la solution de facilité parce que c'est là, c'est rapide. Mais je sais pas pour vous, pour moi, ça n'a jamais fonctionné. Pour la plupart des personnes que j'accompagne, ça a été une catastrophe. Ça a empiré leur vie. Pour ma part, c'est ce que ça a donné aussi. Ça empire le poids, ça a empiré ma vie. Et aussi, je l'ai entendu dans le cadre d'autres thérapies, d'autres choses, des gens qui sont passés par des techniques, je sais plus, d'hypnose ou de médiumnité pour, je sais pas, savoir si tout d'un coup elles avaient été abusées ou un truc comme ça, sans avoir voulu faire le chemin et de laisser
le temps à leur subconscient de délivrer le message au moment où elles étaient prêtes, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bah, ces personnes se sont retrouvées dans un chaos encore plus grand parce qu'elles étaient tout simplement pas prêtes à accueillir le résultat, à accueillir l'information tout simplement. Alors, mon programme, par exemple, il dure 3 mois, mais parce qu'il faut en tout cas bien 3 mois pour que les compulsions s'arrêtent. Alors, les compulsions s'arrêtent très rapidement pendant le programme, mais ensuite, il faut ancrer ça, parce que sinon, c'est comme un régime. On fait une semaine, attention, on perd 4 kilos, c'est super, puis la semaine d'après, on remange normal, et puis ça recommence. On reprend du poids tout de suite. Et ben, c'est pour ça que il faut du temps pour ancrer, intégrer, apprendre à prendre conscience, apprendre à comprendre ce qui se passe à l'intérieur pour que les choses changent. Je comprends que quand on est mal dans son corps, on a envie que les choses changent rapidement. Et c'est normal, je suis pareil, c'est humain. Sauf qu'à un moment donné, il faut quand même se faire une raison que si ça fait, je sais pas moi, 20 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, que vous vivez avec des compulsions, que votre rapport à la nourriture a toujours été compliqué, que vous avez toujours été en surpoids, j'ai l'impression que de vous laisser quand même, en tout cas une année devant vous pour guérir, ce soit pas un temps excessif. Pourtant, des fois, j'ai des personnes qui me disent « Ouais, mais c'est long !» Bien sûr que ça paraît long. Après, il faut pas se dire « Allez, ça va me prendre un an !» Faut pas le prendre comme ça. Faut vraiment prendre les choses step by step. Je fais une étape après l'autre, je me laisse guider et les choses se mettent en place. Parce que c'est sûr que si on voit le haut de la montagne tout de suite, on se dit « Ah non, mais c'est insurmontable, c'est beaucoup trop long. » En revanche, quand ça fait autant d'années qu'on souffre de ça, moi, des fois, c'est ce que je m'étais dit. Peu importe le temps que ça me prendra, de toute façon, je compte pas vivre comme ça. Je peux plus vivre comme ça. Donc, même si ça doit me prendre 10 ans, et ça m'a pris à peu près ça, hein, vu que moi, j'avais pas les techniques, j'ai dû trouver par moi-même, ça m'a pris un temps énorme. Mais pour autant, des fois, quand j'avais envie d'abandonner, je me disais, mais de toute façon, quoi? Tu vas abandonner quoi? Est-ce que vraiment, tu comptes continuer à vivre comme ça? Je me suis dit, non, c'est impossible. Donc, d'une manière ou d'une autre, je passerai tout le temps, je continuerai encore et encore à essayer de trouver une solution parce que j'ai pas envie de vivre comme ça. C'est juste pas possible de vivre comme ça. Et parfois, justement, moi, quand j'accompagne les personnes, ce que je dis vraiment, se guérir des compulsions, réussir à mincir vraiment une bonne fois pour toutes, c'est un truc qui prend mais un temps énorme. Et en plus de ça, je ne peux pas ni le garantir, ni savoir combien de temps ça prendra, parce que je ne connais pas votre histoire, parce qu'on est tous différents, parce qu'on avance tous d'une manière différente et on s'implique tous d'une manière différente. Pour vous dire, en fait, dans un de mes programmes, j'ai une cliente, elle a lâché 8 kilos en 3 mois, elle a réglé ses compulsions rapidement, c'était fini, on n'en parle plus. Mais elle, elle s'est mise à fond. Hein, on a commencé le programme, elle a acheté un petit carnet exprès pour, elle a fait des dessins, des croquis, bref, elle s'est impliquée à fond. Je dis pas qu'on est obligé de faire ça pour y arriver, pas du tout, mais en revanche, j'ai quand même remarqué que les personnes qui réussissent le mieux dans mes programmes, c'est celles qui vraiment, elles s'impliquent à fond. Elles prennent des notes, elles bossent entre deux, elles font les visualisations, bref, elles sont à fond dedans et ça marche super bien. Mais je ne peux jamais dire combien de temps ça prendra pour qui. Comme je vous disais, la personne là, elle a perdu 8 kilos en 3 mois, incroyable, mais c'est pas la majorité. Il y a des gens, en une semaine, les compulsions s'arrêtent. Littéralement, c'est fini, on n'en parle plus. Après, il y a d'autres choses à mettre en place, mais les compulsions s'arrêtent. Et il y a des gens, ça va leur prendre plus de temps. Il y a des gens, les compulsions vont s'arrêter rapidement. Après, pour lâcher des kilos, ça va prendre plus de temps. Et il y a un travail à faire sur le corps beaucoup plus long parce que ça vient cacher des blessures beaucoup plus importantes. Mais tout ça, ça demande de la persévérance, ça demande de l'implication, ça demande d'apprécier justement, d'apprendre à se connaître, d'oser aller au fond. En tout cas, dans mon processus. Après, il y a plein d'autres gens qui aident à guérir les compulsions alimentaires, qui vous aident à mincir, qui sont peut-être pas dans ce processus-là, qui fonctionnent différemment. Et ça, c'est génial parce que justement, on a tous une manière différente de fonctionner, on a tous des choses qui nous conviennent plus ou moins. Et c'est pour ça justement que c'est génial qu'il y ait autant de personnes qui proposent de l'aide comme ça. Parce qu'on peut vraiment trouver la façon, la manière de procéder qui nous convient. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, enfin j'aimais bien, il y avait une image sur Facebook où c'était marqué « Qui veut du changement ?» Tout le monde lève la main et « Qui veut changer ?» Personne lève la main. Parce qu'en soi, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que guérir des compulsions, ça demande de se mettre face à soi. Je sais que quand je dis ça, tout le monde dit « Ouais, moi, je suis prêt à me mettre face à moi. » Bien sûr. Mais en fait, quand on y est pour de vrai, c'est un peu plus difficile à accepter. Et surtout, on va aller gratouiller des fois des choses qui font un peu mal. Ça demande de retourner dans des émotions qu'on n'a juste plus envie d'aller voir. Mais tant qu'elles remontent, c'est pas que moi, je m'amuse à vous faire retourner dans des choses qui sont pas confortables. C'est juste que si votre subconscient vous envoie ces infos, c'est que c'est ces infos-là qu'il faut traiter. Moi, dans mon processus, je ne force rien, je pars du principe que je ne sais rien, je suis juste là pour vous accompagner. Celui qui sait, c'est vous, c'est votre inconscient, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et si ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça vient délivrer certaines informations, certaines émotions, que ça rappelle à certains événements, c'est pas que on veut gratter le passé absolument, c'est juste que si ces infos-là ressortent à ce moment-là, c'est que vous êtes prêt,
prête à les digérer, à les intégrer et à vous en libérer et que ça va vous amener à cette libération. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas confortable. Mon programme, il est clairement pas adapté à tout le monde. Pendant longtemps, je me mettais des boules au ventre en me disant « Ouais, mais je vais aider tout le monde, j'aimerais tellement que les gens puissent s'en sortir. » Et oui, foncièrement, c'est ce que je rêverais de tout mon cœur, mais ce que je me rends compte, c'est que ben, c'est un chemin, c'est pas facile, c'est long, ça demande de l'implication, ça coûte de l'argent, ça demande énormément de choses qu'effectivement pas tout le monde n'est prêt à faire. Mais c'est pas un jugement, c'est juste que des fois c'est juste pas le moment en fait, tout simplement. Parce que quand ça clique, quand c'est le moment, eh ben on s'y met et c'est logique et ça vient et on y go. C'est pareil pour moi sur plein de sujets que je sais que j'ai à bosser, que je sais que j'ai à m'améliorer, ben je repousse, ben je me sens pas prête et c'est ok, il n'y a aucun jugement. Et tout d'un coup, un jour, il y a la bonne vidéo, le bon livre, le bon mot et ploup, ça clique et ça y est, je trouve la bonne personne et j'y vais. Et c'est pareil pour vous, hein, des fois de vous dire, ben, juste d'accepter, des fois c'est juste pas le moment en fait, je suis pas prêt, ok, ben, c'est ok, je me juge pas là-dedans. Parce que justement, je ne peux pas forcer les choses. Hein, on peut juste se dire, bah ok, quand je me sens prête, parce qu'il faut être prête à s'investir, à s'impliquer, à donner ce qu'il faut pour que les choses, elles changent. Parce que malheureusement, je suis désolée de vous dire, il n'y a pas de baguette magique, définitivement, il n'y en a pas. En revanche, il y a des solutions, il y a des manières de faire, il y a des techniques, il y a des choses. Si j'ai réussi, si les personnes que j'accompagne ont réussi, c'est que tout le monde peut y arriver. C'est juste que, ok, est-ce que je suis prête à mettre ce qu'il faut, à faire ce qu'il faut, à regarder à l'intérieur de moi, à accepter d'accueillir ces émotions qui sont un peu difficiles des fois à digérer, mais d'aller et d'oser, hein, et de me dire, bah ok, je me mets dans un programme, je me mets dans un accompagnement, j'y passe du temps, je passe du temps pour moi, j'investis sur moi, sur ma vie, sur mon bien-être. Parce que chaque jour passé en étant mal dans sa peau, mal dans son corps, eh ben pour moi, selon moi, c'est un jour de gaspiller. Ce jour-là, on ne le récupérera jamais. Et la vie passe trop vite, selon moi, pour qu'on passe autant à côté. Voilà donc, ce que je voulais que vous reteniez de ce podcast, c'est vraiment de différencier entre le fait de se guérir du rapport à la nourriture et ensuite d'aller pour mincir. Mais avant ça, il faut d'abord guérir le rapport à la nourriture et au corps pour ensuite pouvoir aller vers une perte de poids qui soit saine et qui soit durable et qui ait plus besoin de suivre de programmes, de régimes, bref, que ça se fasse naturellement. Ce qu'il faut aussi intégrer, c'est que c'est un process qui prend du temps. Hein, c'est pas le process facile de faire un régime. C'est quelque chose qui demande de faire, refaire et re-refaire. Hein, les personnes qui suivent mon programme, celles qui réussissent, c'est simplement quand elles prennent le premier module et qu'elles le refont et qu'elles le re-refont et qu'elles le re-refont encore jusqu'à ce que ça marche. Parce que la clé de la réussite dans n'importe quel domaine, c'est juste la persévérance. C'est un nouvel apprentissage, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et ça demande une implication personnelle. Il faut juste le savoir et être prêt à le faire et pas croire ou penser qu'il va y avoir des solutions miracles ou que quelqu'un va pouvoir vous sauver la vie. Pendant tellement longtemps, moi, j'ai cru que quelqu'un allait me sauver la vie. Hein, et encore des fois, tout d'un coup, des trucs qui vont pas, je cherche des médiums, des trucs en pensant que quelqu'un va me sauver la vie, alors que je sais pertinemment que la réponse se trouve à l'intérieur de moi et que la seule personne à pouvoir changer les choses, c'est moi. Alors bien entendu que je trouve des personnes pour m'accompagner, pour m'aider, mais quand je suis prête à faire le chemin, quand je suis prête à prendre ce que la personne va me dire, même si c'est inconfortable, même si ça me dérange, même si j'ai pas envie parce que ça me fait peur de faire les changements qui s'imposent, je vais voir cette personne-là pour qu'elle me montre, tiens, il faut que tu changes ça, ça et ça. Mais je sais qu'elle va pas me sauver, elle va juste me dire, tiens, il faut que tu passes par là, là et là. Et je te prends par la main pour t'aider à passer par là. Mais la personne ne peut pas passer à ma place, à cet endroit-là. Au même titre que moi, je ne peux pas vous sauver, je ne peux pas guérir à votre place les compulsions. Par contre, je peux vous tenir la main, je peux vous montrer comment on fait, je peux vous donner toutes les méthodes, je peux être là pour vous aider à mettre en lumière ce dont vous n'avez pas conscience, mais le chemin, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et d'un côté, c'est ça qui est magnifique, parce que quand vous comprenez que le chemin, c'est vous qui le faites, vous récupérez un tel pouvoir sur votre vie, une telle estime de vous et une telle confiance que ça n'a pas de prix. Hein, et ça aussi, ça compte tellement pour moi de pouvoir amener les personnes que j'accompagne à réaliser qu'elles se sont guéries par elles-mêmes, qu'elles ont les réponses. Et ça, c'est magnifique. Voilà, j'espère du fond du cœur que ce podcast vous aidera. Si vous avez besoin d'aide pour aller plus loin, vous avez besoin d'être accompagné pour guérir des compulsions alimentaires et que surtout, vous êtes prêt ou prête à aller regarder à l'intérieur, de faire vraiment ce chemin, de vous impliquer personnellement, alors contactez-moi, je serai ravie de vous aider. Vous trouverez tous les liens utiles en dessous de ce podcast. En attendant, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao !